Bonjour monsieur. Alors ça c'est incroyable. Bonjour monsieur. Bah, écoutez, bonjour. Alors c'est juste un petit contrôle de routine pour voir si on peut vous retirer votre plâtre. Mais c'est fou, j'étais en train de lire un article justement sur les docteurs comme vous là, qu'on autorise à exercer. Ah non, alors ça c'est génial, hein. Eh bravo, hein. Oh, c'est super. D'accord, alors mettez-vous comme ça et tournez-vous vers là. Voilà. Ah oui, parce que c'est la mec certainement par là-bas, non? Pardon? Ah mais je ne suis pas raciste, moi j'adore, hein. Ah non mais si vous avez des rites et tout, allez-y, hein. Moi j'adore votre peuple, les Arabes, j'adore ça, je vous adore. Et d'ailleurs quand vous les croiserez la prochaine fois dans le désert, dites-leur bravo de ma part. Bravo? Ben pour les maths. À l'invention des maths, ça c'était incroyable, hein. Parce qu'au début on était là, oui combien ça fait de plus de Francis, on sait pas. Oui combien ça fait de plus de Caroline, on sait pas. Puis là il y a un petit boulot qui a débarqué comme ça, avec une calculatrice, il a dit ça fait 4 et tout le reste, hein. Et le théorème de Thalès, le théorème de Pythagore. Oh non, vous êtes super, je vous adore. Vous plaisantez là peut-être. Mais tout ce que vous avez construit, les pyramides, les kebabs, les bombes, les chameaux, tout ça. Ah non, continuez à nous faire rêver, je vous adore. Non bah écoutez, je pense que quelqu'un d'autre va s'occuper de vous, d'accord? Ah ben oui, c'est l'heure de la prière, certainement. Non! Là, je vais aller sacrifier un mouton et après, je vais aller tabasser l'une de mes 18 femmes. Oh mais je ne suis pas raciste, ça ne me dérange pas. Bonne journée, bon courage, monsieur. Merci. Est-ce que tu pourrais t'occuper de ce malade? Parce que là, je... Mm-hmm. Et autant dire que toi, tu vas lui plaire. Toi, t'es au top, toi. Et ça te dérange pas si je regarde ce qui se passe? Vas-y, vas-y, tiens, c'est le dossier, vas-y. Oh, vous êtes magnifique! Il est formidable, cet hôpital! Vous venez d'encore plus loin que l'autre, vous! Alors ça, c'est super! Oh, je ne suis pas raciste, j'adore l'Afrique! De quelle partie de l'Afrique vous venez, monsieur? Ah non, 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 moi je ne suis pas africain, je viens de Chine. Vous êtes noir et chinois? Vous êtes chinois, en fait, hein? Mais c'est formidable! Mais alors, qu'est-ce que ça donne, un chinois? Vous courez vite, mais vous avez une toute petite caquette? C'est pour rire! Je ne suis pas raciste, je vous adore! Oh, non, mais formidable. Il est complètement con, lui, hein? Et alors, qu'est-ce qui pousse en chinois, riz, du coup? C'est quoi, c'est des bananiers bonsaï? Qu'est-ce que ça donne? Oui, oui, on a aussi petit gazelle avec yeux bridés, comme ça. Et alors, comment est né votre peuple? Ah, ça? Parce qu'en fait, nous, tout le temps, on voyait des riz en Afrique. On envoyait. Donc, du coup, on s'est transformé. Vous êtes les enfants de l'ONU, en fait. Vous êtes les enfants de la solidarité. Je trouve ça magnifique. Ah non, 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 non. Moi, je laisse tomber. Hein. Sinon, moi, je vais lui casser la gueule, hein, le petit, là. Bon, alors, allez, les gars. Faut pas une demi-heure pour enlever un plâtre. Qu'est-ce que vous faites là? Non mais c'est ce malade là, il est insupportable, on n'en peut plus. Il s'est moqué de nous, hein. Il a même dit la blague comme quoi moi je courais vite avec petite caquette. Ça elle est bonne. Bon allez, ça va, je vais m'en occuper, alors fais voir. Bonjour monsieur. Bonjour. Bonjour monsieur, bonjour. Alors, il y a un problème. Non, il n'y a pas de problème monsieur, mais je préférais que ce soit un de vos collègues qui m'ausculte. Bah pourquoi, qu'est-ce que... Non, écoutez monsieur, on est dans un pays français, je ne suis pas raciste, je préfère que ce soit une personne de couleur qui m'ausculte. C'est parce que je suis blanc, vous dites ça? C'est pas moi qui l'ai dit, monsieur. Bonne journée, monsieur. Ah oui, d'accord, donc il est complètement con. D'accord. Ok, donc il veut du folklore, il veut du cliché. Eh ben, il va en avoir. Tiens, regarde. Sulunana, gululunana, turinage. Oh, c'est formidable. Oula. Les grands esprits des docteurs, es-tu là? Là. Ouh, je suis connecté avec Dr House. Dr House, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit, Dr House? La jambe est pourrie, la jambe est pourrie. Il faut couper la jambe est pourrie. Alors coupez la jambe. Il faut couper la jambe. Coupez la jambe. Coupez la jambe est pourrie. Oui. La jambe est pourrie. Elle est coupée, la jambe. C'est coupé, c'est coupé, c'est coupé. Coupé, décalé. C'est coupé, décalé. Te recoupe, décalé.
J'ai mal à la tête. Jérémy Ferrari, aidé par Ahmed Silla, Florent Père et Majid Delascarguet. Quelle note vous leur donnez? Moi, c'est fait déjà. Éric Métayer, Isabelle Mergo, Jean-Ben Guiguier, tout le public en même temps attribue une note sur 20 pour Jérémy et ses camarades. Vous donnez, Éric, 18. Merci. Isabelle Mergo, 18. Jean-Ben Guiguier, 19. Oh, merci. Et moi aussi, 18, voilà. Merci beaucoup. Ça va, ça va. Ce sont des bonnes notes quand même. Non, c'est Jean, bien. C'est vous qui donnez la meilleure. Oui, c'est très bien. C'est très bien. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire? On ne va pas faire l'exégèse de ça. C'était très drôle, très bien foutu, ils sont formidables. C'était très bien. Donc, j'ai mis 19 parce que à chaque fois qu'ils se mettent ensemble et qu'ils veulent raconter des choses de société comme ça tout en faisant les rigolos, ben c'est formidable, ça marche très bien. Isabelle? Oui, les lieux communs que les racistes peuvent avoir ont été très bien exploités dans ce sketch, et c'est très drôle, et c'est très humain, c'est très... Non, il y a plein de trouvailles, là. Le noir chinois... Le chinois. Le refus de Florent Père parce qu'il est blanc. Il y a plein d'imagination et plein de trouvailles, et plein de choses inattendues dedans. Éric Métayer. Non, rien, je trouve ça toujours pareil. On va pas redire. Non, si je vous fais chier, vous le dites. Non, non, mais... voilà, j'ai mis 18 parce que je garde le 19 pour Arnaud, et c'est vrai que... 2 fois 18 plus 19 plus encore 18, ça fait un total pour Jérémy Ferrari de 73. Merci beaucoup. Merci.